Quelqu'un est malade. Alors, allez au centre des arcades entre 10h et 17h. Allez à la falaise encore, oui. Là, il me manque aileron, rasoir. Ouais, il faut que je fasse ça. Fragment d'or, c'est bon. Et Moonite, c'est bon. Donc, c'est les ailerons, il m'en manque que deux. Il m'en manque encore 4. Bon, on va aller voir qui est malade. Et j'ai combien? 1200 d'argent. Ah, c'est Xiao. Je me sens bizarre. Œil droite. Œil droit, d'ailleurs. Sérum intermédiaire. Ah, on redémarre encore avec ça. Et je l'ai pas eu. Comme d'habitude, on reprend par ça et je le loupe. Et ben on va recommencer. Minipix, comment vas-tu? Alors, protecteur rétinien. Bienvenue ici. Alors, protecteur rétinien. J'ai une recette? Non, il m'en faut encore deux. Ouh, ça va et toi? Bah, très bien, je te remercie. J'ai le droit à tout sauf le bleu. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ça. Pour mettre là. Est-ce que j'ai le même dans l'autre sens? Oui. Après, en barre, on a quoi? Dans les 1, j'ai le droit à quoi? Ah, j'ai pas beaucoup de 1. Là, il y a 2. Ouais, j'en ai là des 3. J'ai du 1 et du 1. On va faire ça comme ça. Alors, il faut que je refasse un. J'avais utilisé ceci. Ça, je vais pouvoir enregistrer la recette. Je passe pour dire le bonjour, bonne soirée, bon jeu. Je te remercie, merci d'être passé. Ah bah je l'ai pas enregistré du coup. Zut. Ça me consomme beaucoup de choses, mais tant pis.
Allez, je vais aller le guérir. Bon, il va pas être super satisfait, mais tant pis. Je dois admettre que ta dernière potion a très bien fonctionné. Je me sens beaucoup mieux. Ouais, 350. Bon, je vais aller vendre ça. Voilà, ça va me faire un peu d'argent. Et on va aller tout au sud récupérer des ailerons. Là, il y a de l'or, si je me rappelle bien. De me diriger, voilà, vers le sud le plus rapidement possible. On va couper quelques arbres pour voir un peu mieux, et puis on va attaquer. Faut que je les trouve. Là, il y en a un. Encore. Oh, les deux. Alors moi, j'aurais eu lui. Ça me fera la septième. Il m'en manque une. Journée. Il est où? Ah, trop tard. Allez, encore une fois. Je l'ai eu là, oui. Il me reste un peu d'énergie. Je vais prendre une deuxième fleur. Voir les deux. Je ne sais pas ce que ça va me consommer. Ah, je vais peut-être faire les deux. Voilà. Bon. On va rentrer. Il faut qu'on aille à la salle d'arcade. Ouais, entre 10h et 17h. Ah, t'es là, toi.
As-tu entendu des rumeurs? Oui, tu m'as déjà posé la question. Non, non, mais je veux rentrer, moi. Tu as trouvé quelque chose? Non. Qu'est-ce que vous faites? Tante Hélène, tu as vu un colis suspect dans les environs? Non, je n'ai rien vu de tel. Zeke est le dernier à être entré. C'est un indice important. Trouvons-le. Et si Zeke ne l'a pas? Et si je l'avais perdu en marchant? Encore une piste prometteuse, ça me plaît. Séparons-nous. Dean et moi allons chercher sur la route. Diablinte, trouve Zeke et d'autres indices. Il n'y a pas de temps à perdre. Parlez à Zeke. Alors, ok. Où est-il d'habitude, lui? Il est plutôt proche de la mairie, sur les bancs derrière, d'habitude. Il n'est pas par là? Non, forcément. Qu'il y a des choses de nouvelles. Quelque chose me tracasse dernièrement. Accepterais-tu d'avoir une discussion en privé avec moi au bain de saule du lundi au dimanche de 9h à 18h? Pourquoi pas? Tiens, t'es là, toi. T'es apothicaire, c'est ça? Bah, tu crains. Déjà, c'est quoi un apothicaire? Bonsoir Nat. Comment vas-tu? Ça y est, c'est le week-end. Zeke, où es-tu? Bien, merci, et toi? Ouais, ça va. Ah bah, j'ai pas... J'ai regardé sur le banc tout à l'heure. Ou j'ai pas été assez loin. Je peux pas lui parler? J'aimerais bien lui parler, mais je peux pas. Il dort. Bon. Diablinte, entre. Je voulais te demander quelque chose. J'ai l'impression que Cassandra ne va pas bien. Elle a dû avoir un problème récemment. J'ai essayé de lui en parler, mais elle s'est mise à pleurer. Elle se serait disputée avec son mari. Je m'inquiète pour elle, mais je ne peux rien demander à Haussmann. Ne lui dis pas que je t'en ai parlé, merci. Parlez à Haussmann, parlez à Zeke.
Ah bah j'aurais pu parler à Cassandra, elle était là. Bon, je vais retourner voir Zeke, s'il a bougé. S'il est réveillé. Non, toujours pas. Hey, Dean. Je sais où il est, hein. Pourquoi tu me regardes? J'étais pas en train de feignanter. T'étais pas censé chercher Zeke aussi? Je peux rien faire. Ah, ça y est. Il est réveillé. Oh, bonjour, Diablinthe. Un colis, oui. J'ai trouvé un colis au centre des arcades. Je pensais le remettre à la police, mais Kips me l'a volé. Quand je l'ai retrouvé, le colis était dans un sale état. Il n'en reste que cette boîte. Il doit manquer quelque chose. Le colis était plus lourd avant. Tu peux prendre la boîte. Livrer la boîte à Rousseau, qui est... Rousseau est un orphelin qui vit au monastère sous la tutelle de sœurs. Ok. Ah bah c'est lui que j'ai vu tout à l'heure. Il était là. Ah bah il est là. Tu as une nouvelle piste? Super! Allons retrouver Dean au parc. Nous avons donc le colis, mais il est vide. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Un pendentif commandé par Haussmann. Un pendentif pour Cassandra, sa femme. Je dois vite le retrouver avant qu'Haussmann ne devienne fou. Rousseau, qu'est-ce qu'il y a? Rien, on devrait peut-être chercher ailleurs. Oh mais, il se fait tard. Sœur Socelia doit me chercher. Salut. C'est louche. Suivons-le. On va le suivre. Ah oui, on le suit dans sa chambre. Dis-moi, Rousseau, qu'est-ce que tu caches? Ce ne serait pas le pendentif dont nous parlions? Je peux tout expliquer. Je l'ai trouvé avant de te proposer mon aide. Il était si beau, je voulais l'offrir à Laura. Je ne savais pas que c'était ça, le colis. Eh bien, nous avons retrouvé le pendentif. Merci, détective. Pas vrai, Diablinthe? C'est vrai? Élémentaire, mon cher Watson. Je suis prêt pour une autre affaire. J'y penserai. Haussmann. Alors la falaise, j'y étais deux fois, là il n'y avait personne. Je suis où? Ok. On va essayer de trouver Haussmann, c'est le policier, ça normalement. C'est Dean et Haussmann, si je me trompe pas. Tiens. Cette ville est malheureusement très ennuyeuse. Tiens, prends un cadeau, j'en ai plein. J'ai vu Cassandra descendre. Non.
J'ai acheté ce vieux carnet à une vente aux enchères d'antiquités et il a dépassé toutes mes attentes. Il contient une excellente rubrique sur les robes d'antan. Comme c'est intéressant. On est au début, toi? Tiens, prends un cadeau aussi. Je suis surprise. Ouais, bah, j'aurais dû descendre plus, hein. Mais bon, il est tard, peut-être que je vais pas le trouver à cette heure-là dans les rues. À moins qu'il soit au commissariat. Ah oui. Tu veux me parler de quelque chose? Allons ailleurs. Non, on ne se dispute jamais. Notre relation se porte bien. Il n'y a jamais eu de problème. Je ne sais pas. Je lui demande pas souvent comment ça va. Elle a toujours l'air heureuse. Donc, je ne demande rien. Quelque chose ne va pas? Si tu apprends que ma femme a un problème, dis-le-moi. Ah, monsieur le maire. Te voilà, Haussmann. Ah, désolé, Mayer. Je sais que nous avions une réunion. Ne t'en fais pas, moi aussi. Je me rendais au commissariat. Tes agents sont déjà là-bas? Cassandra qui passe en pleurs. Cassandra? Je pense que tu devrais aller la voir. Mais notre réunion. Ne t'en fais pas. Ça peut attendre. Cassandra a besoin de toi. Merci, Bayer. Bah, j'ai peut-être pas besoin d'être là, moi. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui. Non, je le vois bien. Qu'est-ce qu'il y a? Diablinde, peux-tu le sculpter? Elle est enceinte. Je me sens bizarre, paume gauche. Pomme quoi? Oh non, encore ça! C'est pas possible. Alors? C'est encore mon anxiété, mais je vais bien. Bon, c'est à la pomme, c'est pas ça que... Diablin, t'as déjà aidé avec une potion? Je n'en savais rien, pardon, je suis trop pris par mon travail. J'aurais dû être plus attentif. Je ne voulais pas te contrarier. Chaque jour, quand tu rentres, je vois à quel point tu as travaillé dur. Et je ne veux pas t'embêter avec mes problèmes. Ne dis pas ça, tu es ma femme adorée. Je suis là pour prendre soin de toi. Je vais passer plus de temps avec toi désormais, je te le promets. Je me débrouillerai, ne t'en fais pas. Mais
travail. Et puis Derek et Dean peuvent m'aider de temps en temps. Merci mon amour. Je ne me laisserai plus abattre comme ça. Je suis heureuse de pouvoir compter sur toi. Et je ne sais comment te remercier, Diablinte. Conflit interne terminé. Gain de niveau d'amitié. Eh bien... Je vais aller vite fait. Voir s'il se passe quelque chose au... À la falaise. Rien du tout. Et toi, t'es toujours là. Bon, bah on va aller se coucher. Demain, je voudrais récupérer ça. Faut qu'on aille les... Les deux autres ailerons. J'ai 2800. Ah, on pourra faire des achats aussi. Bonsoir Yuko. Comment vas-tu ?